Dans le prochain épisode inédit de L'amour est dans le pré, diffusé ce lundi 25 novembre 2024 sur M6, l'heure est au bilan pour Karine Lemarchand. Et durant la première partie de la conclusion de cette saison, l'animatrice reçoit notamment Michaël et Nadia. Un échange durant lequel Nadia lui annonce s'être officiellement installée chez Michaël depuis la rentrée. Ça s'est fait naturellement, on avait tous les deux envie de vivre ensemble. Et puis, moi, je conçois pas une relation à distance. Explique Nadia, qui retourne quand même chaque mois quelques jours dans le sud pour son travail et pour prendre des nouvelles de son fils. Un équilibre qui convient parfaitement à Michaël. On mange ensemble le midi, on mange ensemble le soir. Là, on a une vie de famille, juge l'agriculteur. Karine Lemarchand demande alors au couple s'il envisage d'aller plus loin après cet emménagement ensemble. Fondamentalement, je me fiche de me remarier, je cours pas après ça. Moi, ce sont les preuves au quotidien qui sont importantes. Après, s'il me le propose, je dirai pas non, lui répond Nadia. Une réponse qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. En effet, Michaël fait ensuite savoir que lui aimerait bien se remarier. Tu t'es donné quoi dans ta tête comme délai ? Lui demande alors Karine Lemarchand. Là-dessus, Michaël se tourne vers Nadia et se lance dans une déclaration d'amour pleine de tendresse, avant de poser un genou à terre et de demander la main de Nadia. En larmes, Nadia accepte. Michaël, qui avait visiblement tout prévu, lui passe alors la bague au doigt. Émue elle aussi, Karine Lemarchand félicite les futurs mariés.